Hey, salut les amis gamers, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Et donc aujourd'hui, c'est pour vous dire la surprise. Donc on est le soir, je devais la sortir le matin, mais bon, c'est pas grave. Vous l'avez le soir. Donc c'est parti, je vais vous montrer où. Qu'est-ce que c'est la surprise? C'est que je vais aller tout simplement au parc Astérix à Paris. Donc c'est parti, je vous montre la vidéo. Je vous laisse avec ça. Donc voici le SOS numéro Bilis. Donc voilà. C'est ça. Voici le vol d'Incar. Voilà. Le Dicar. Le Volticar. Voilà. Donc c'est où que je vais aller le 6 juillet. Donc j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à y aller. Comme ça on va se rencontrer là-bas sûrement. Je vais faire une petite vidéo là-bas et tout. Donc si vous voulez être dans ma vidéo, ça serait vraiment cool pour ceux qui et pour ceux qui veulent venir, ça serait énorme. Donc là c'est pour un jour, je vais aller au parc Astérix. Donc voici le grand splash. Donc voilà. C'est vraiment énorme. C'est trop génial. Désolé pour les deux petites lumières que vous voyez ici et ici. C'est tout simplement. Voilà, la descente. La plus grosse descente. La plus grosse descente. Donc, ça, c'est le Menhir Express. Donc, désolé si vous voyez deux petites lumières. Donc, comme je vous ai dit, c'est tout simplement bah, une lumière. Donc, voilà. Et attention à la descente. Hop. Monte. Plouf. Donc ça c'est les meilleures attractions, on peut le dire, ou du moins l'une des meilleures attractions là que vous voyez. Ah ouais, ça c'est énorme. Donc ça c'est le Disco Bélix. Voilà, ça c'est vraiment énorme. Hein. Donc vous voyez la vidéo et tout, franchement. Voilà quoi. Ça c'est le Pégase Express. Oh là là, j'ai trop envie d'y aller. C'est dans peu de temps, oui. Dans presque plus que 4 jours bientôt. J'y vais. Oh là là, ça va être trop énorme. Ça va être trop cool. Voilà, alors attention à la descente, attention. Wouah! Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est des petits hoppings et encore. Ça c'est rien. Mais franchement, c'est génial. Ah, en arrière, ça je m'en souviens, c'est vrai. Et voilà, en arrière, ça c'est énorme. En arrière, c'est ça donne beaucoup plus de sensations, je trouve. Et tout, donc voilà. Donc ça, c'est la trace du Oura, voilà. Donc c'est vraiment génial. Voilà, en quelque sorte, c'est ça.
Il y a plusieurs attractions de vraiment de ouf. Comme je vous dirais par exemple le tonnerre de Zeus, ça c'est vraiment un truc de ouf. Osiris. Bref, plein de choses vraiment à sensation énorme et tout. Tout ce que vous voulez, c'est vraiment génial. En tout cas, je suis pressé d'y aller. Bon, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Quand même assez courte, qui a duré en quelque sorte 5 minutes. Bon, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde, c'était Hogan du 59. Ciao tout le monde, bye. Bonne soirée à ceux qui ne sont pas encore couchés. Bonne nuit. Et ah oui, et le coup du Rix qui est vraiment génial, regardez. Ça, c'est les loopings, ouais. Donc voilà, en gros, c'est ça. Là, il y a à peu près 6 ou 8 loopings, il me semble, je sais plus. Bref, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Bah, parce que oui, j'ai déjà été au parc Astérix et tout. J'ai été à tous les parcs de France. Tous les parcs d'attractions de France, ouais. Et j'ai été à un moment en Espagne. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que vous aimez des parcs d'attractions en Espagne aussi. Il y avait, mais là, ça sera à Paris. Ou près de Paris, devrais-je dire en gros. Donc ce sera le parc Astérix. J'espère que vous aimez cette petite vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Et bon bah bonne soirée à ceux qui ne sont pas encore couchés. Sinon, bah, bon visionnage à tous et à toutes. Ciao! Tonnerre de Zeus. Allez, ciao!